Salut à tous et à toutes, c'est Biox Lobby. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo donc avec World Edit, donc le mode World Edit. Donc on va apprendre à faire un champ dans Minecraft. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis dans le monde où j'avais déjà fait les tutoriaux là. Enfin, je sais pas si on dit les tutoriaux, les tutoriels, bref. On va apprendre à faire un champ de blé avec World Edit. Donc vous allez devoir prendre une hache en fer et vous allez faire slash BR. Donc vous allez écrire comme moi, excusez-moi, sphère, comme ça. Vous faites farm land, je mettrai les commandes sur internet, dans la description, excusez-moi. Sphère farm land, et là vous mettez 5 pour la taille. Donc moi pour la taille je vais mettre 6, c'est entre 1 et 6. Donc 6 c'est plus grand. Vous allez faire entrée, vous allez faire slash, mask et grace. Ok. Et là, vous allez faire clic droit. Donc, vous faites un champ comme vous voulez. Voilà, on va faire un champ comme ça. Il est assez grand. Donc ensuite, vous allez faire slash BR sphère encore une fois. Et là, vous allez marquer 59 de petits points 7 et la taille. Donc, on va remettre 6. Entrée. Vous allez faire slash encore. Masque. Et là, vous allez faire une petite flèche vers la droite. Et vous allez marquer farm land. Voilà. Et là, vous refaites clic droit. Donc n'oubliez surtout pas de mettre la pluie. De mettre la pluie parce que tout simplement, s'il n'y a pas d'eau autour, et bah, les cultures, elles vont, bah, vous savez bien, elles vont redevenir de l'herbe. Donc n'oubliez surtout pas de mettre la pluie. Parce que si vous la mettez pas, bah, ça va redevenir de l'herbe. Et voilà. Donc j'ai pas pu faire cette vidéo avec le shader, je suis vraiment désolé. Mais le seul souci, c'est que je l'avais pas en 1.7.2, parce que oui, je suis pas en 1.7.10 là. Pour faire ce tutoriel, j'étais en 1.7.2. Bref, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, et de mettre la vidéo favorite. A plus tout le monde!